Hey 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 cucu mes petits cucu et bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play Découverte avec Écologie. Et on est au bord de ce port centenaire qui est Port Promise et on va retrouver nos petits jumeaux qui ont un peu encore emménagé leur petite maison que voici. Tadam! Ah oui, il y a du changement, fini les revêtements en fer. Fini les vilains containers d'extérieur très très moches. Bonjour la pelouse partout, hein. Et puis quelques petits aménagements ont été faits dans cette maison. Notamment une petite terrasse qui a été agrandie pour qu'on puisse avoir accès à la terrasse du dessus par ici. Ça fait que la chambre de notre ami Jonah est beaucoup plus grande et qu'il pourra aussi lui prétendre avoir un lit de place. Sinon rien n'a changé ici à part des petites plantes. Et en bas, rien n'a changé, à part qu'on a des bacs de fleurs qui se baladent par-ci par-là et que la pelouse a envahi le terrain. Et ça, c'est super. Wouhou! Je l'avais dit, c'est une promotion pour Sacha qui a été promue au poste de technicienne en construction. Elle gagnera désormais 15 simflouz de plus par heure, soit 57 simflouz de l'heure au total. Également en bonus, 475 simflouz, une brume atomisée avec des pièces d'amélioration écologique et des boucles d'oreilles succulentes. Ah ouais, elle a une promotion, elle a des boucles d'oreilles en cadeau. Et si c'était un homme, il aurait gagné à quoi, hein, franchement. Bon bah ma cocotte va commencer ta journée avec un muesli. Faudra que bientôt, je pense, de toute façon, on commence à accumuler pas mal de stocks en électricité, que la prochaine étape, ce sera aussi d'acheter un frigo, sauf si on le trouve, pourquoi pas, dans les bennes, hein, pourquoi pas, et pour améliorer la maison, pour que ce soit vraiment une maison vivable et agréable. Bon, encore une fois, nos criquets sont morts. Je vais voir si je peux les ressusciter. Et Sacha, tu vas travailler à la maison, parce que c'est pas mal de faire ça. Allez, Jonah, tu vas retester de prendre soin des criquets morts. On voit bien qu'ils sont... Voilà, c'est juste prendre soin et ils sont censés être morts. Et prêts pour la collecte. On va voir si... Eh ben oui, ça les ressuscite. Il y a bien un petit bug, en tout cas, à notre avantage. Prendre soin des criquets morts, ça les ressuscite. Voilà. Ah, elle a deux plans de conception, il y en a un médiocre, il y en a un qui est correct. Tu vas m'envoyer celui qui est correct. Eh ben, on aura déjà fait ses tâches du jour. Mais c'est incroyable, hein. Ça va être trop facile, quoi. Il est 10h30 du matin, elle aura déjà fini de travailler pour aujourd'hui. Voilà, regardez. Voilà, elle a été payée. Mais c'est merveilleux. Bah écoute, cocotte, tu vas travailler ta logique maintenant, parce que, ben, il faut que tu gagnes au niveau 3. Bon, Jonah, quand t'auras fini de te détendre, ouais... Oh mon pauvre chou, tu iras aux toilettes et tu iras prendre une petite douche. Et puis après, ça sera boulot boulot. Et go le niveau 3 pour Sacha. GG. Bon, pendant que lui il essaie de chercher des petites trouvailles, en espérant qu'il tombe pas sur un méconium, on va demander à Sacha de réparer la douche qui vient de casser. Je vous jure. Oh bah voilà, une petite table pas... Voilà, une table cramée, mais une table quand même quoi. Voilà, il nous fait un deuxième petit siège d'extérieur. Puis on verra après. Le concept que vous avez envoyé à Solution Innovante n'était pas votre meilleure idée. Ils n'ont pas du tout été emballés. Les concepts de meilleure qualité ont plus de chances de réussite. Bah oui, mais bon, je pouvais pas modifier là. J'ai envie de tester des trucs avec le machin à bulles. Alors, niveau 3 de jardinage pour Sacha. Ah non, pour Jonah, pardon. Tu vas aller essayer de mettre des ingrédients. Parce que, genre, j'ai récupéré du soja. Ça, on va voir si ça, on peut le mettre. Ça peut être rigolo. Alors, on peut pas mettre de soja, mais on peut mettre la farine de criquet. Bah écoute, tu vas mettre ça. On va voir si ça va être sympa, ça va avoir bon goût. Et bah, commencer à pétiller. Allez, go, maestro. Ouais, c'est à Sacha maintenant de fouiller dans les poubelles. Bah ouais, parce que elle, si elle trouve des trucs à réparer, c'est d'autant mieux quoi. D'autant mieux, donc bon, lui ou elle, tout marche. Moi, les deux, ils plongent dans la poubelle. Mais non, mais malheureux, il est en train de boire sa propre boisson. Oh, elle a trouvé des colorants noirs. Super, mais non. Oh bah au moins comme ça on va voir ce que ça fait hein. Moi je vais pas demander de boire hein, cet idiot. Ah oh non mais là si vous buvez tout ce que vous produisez on n'a pas fini de... Hein. Eh salut voisin, comment tu vas? On pue pas du tout, mais non c'est pas vrai. Non c'est pas vrai, tu refoules pas du goulot, non. C'est juste des aisselles et d'ailleurs. Bah voilà hein, il est en jôleur maintenant, pétillement naissant. Bois du jus de fruits pétillant ou de l'eau gazeuse, le pétillement commence à faire effet. Boisson bon au goût doux, au goût doux, n'importe quoi. Allez, arrête de faire n'importe quoi et
Ça n'a pas encore fini de pétiller, donc tu vas fabriquer encore une petite chose. Ah, il n'y a plus. Bon, il faut que tu recycles. Allez, il va falloir que tu recycles, mon petit. Tu vas recycler. Voilà, ça, c'était cramé. Go. Ah, maman, attendez, c'est un colorant pied de poule. Mais ça, c'est énorme. Je pensais que c'était avec une compétence ou quoi. Mais en fait, le colorant pied de poule qui va donner un imprimé en fait spécial. Donc, ça me fait marrer. Je vais tout donner à Jonah. Du coup, les petits trucs, les petits tags que j'avais comme ça, là, elle peut les trier directement dans le recycleur et pas juste comme ça, dans un tour de main magique. Maintenant qu'on a le recycleur sur place, et ben voilà. Mais écoute, vas-y, hein, continue parce que nous, ça nous ramène des pots de banane parce que là, on est un peu en galère de pots de banane, on est à 63. Pour fabriquer des meubles, il nous en faut. Oh, il a trouvé un colorant jaune canari! Mais c'est GG! C'est bon, on a de nouveau un peu de pas de banane, donc tu vas refaire un siège comme ça. Voilà, on va les faire tous dans le même bois. Bien sûr, on testera à un moment donné les colorants pour voir ce que donnent les meubles. Mais pour l'instant, voilà. Ah, et ça c'est prêt d'ailleurs. J'aime bien les deux, ils bossent de chaque côté et ça me plaît cette histoire. C'est bon, il a récupéré la chaise. Tu vas récupérer maintenant le jus là. C'était quoi la farine? La farine de criquet. Oh, la bouteille, elle est cool. Boisson pétillante suspecte. Oh bon, mais qu'est-ce que c'est que cela? Ah, c'est ça. Boisson pétillante suspecte, fait par Jonah, farine de criquet. Elle vaut 4 simflouzes. Ça doit pas être terrible, à mon avis, au goût, hein, si elle vaut que 4 simflouzes. Hein. Ouais, bon, on va pas la goûter, alors, hein, vraiment. Ou pas volontairement. J'avais pas fait attention, il a réussi à choper un colorant faucheuse. Le colorant faucheuse fait les espèces de... Voilà, vous savez, les espèces de dessins avec les épines, en fait. Le pied de poule, c'est ça. Et ça, c'est le colorant faucheuse. Je trouve ça génial. Waouh, j'avais pas vu, mais je faisais un petit tour dans le quartier comme ça. Déjà, les eaux, elles sont propres. Là, il y a des fougères et tout partout. Mais regardez ici, il y a plein de panneaux solaires sur les sortes de cuves. Oh, ça, c'est beau, ça. Ça, c'est grâce à nous, tout ça. Et regardez-moi, la voie de chemin de fer, elle est toute belle, toute fleurie. Ah, ça, c'est cool. Et les votes sont désormais ouverts. On va voir ce qu'on peut faire. Ah, bah d'accord, c'est cassé ici. Bah écoute, tu vas pouvoir réparer, hein? Et puis tu iras prendre une bonne petite douche, tandis que ton frère, lui, effectivement, il va aller manger des mesli. Et puis il ira se doucher après. Allez, trouve-moi quelque chose de sympa, genre un bon petit frigo qui pourrait nous aider à améliorer notre maison. Et elle a reçu 350 simflouzes du boulot. Ça, c'est cool. Et tu vas retravailler à la maison, du coup. Oh, bah il a trouvé un tableau. Mais c'est super. Mais non, mais il boit la boisson maintenant. Mais t'es un fou dingue, hein, toi. T'es un doux fou dingue, mon petit. Hein. Ça a l'air quand même chelou ton histoire, hein. Ouais. En tout cas, la bouteille est jolie. C'est déjà ça. Oh merde! Oh! Oh, il est devenu zinzin. Pétillement dangereux. Re. Il est devenu un voix zinzin, ce que j'aime de Strangerville. OMG! Ah oui. Ah, ça va? Ça va mieux? Ça va mieux, j'ai l'impression. Va te prendre une petite douche. Ouais. Oh la vache. J'ai eu très peur là quand même. C'était. Ça lui remettra les idées en place, mais l'abus de boisson n'était pas bon pour lui, évidemment. Oh merde, ça lui reprend. Oh là là. Bon, pareil, elle m'a trouvé un tonneau de fleurs, ça c'est cool. Mais reprends tes esprits, mon petit. Prends une douche, va faire pipi, quelque chose, va nettoyer vigoureusement aussi. Et attention à toi. Eh, salut madame. Tiens, tu peux lui présenter le concept correct, qui est en état correct, histoire de voir si ça peut marcher. Ouais. Regardez, j'ai conçu un rond-point. Eh oui, c'est-à-dire fini. En fait, toutes les voitures, elles doivent tourner dans le même sens. Et puis, pour sortir, vous sortez sur la rue que vous voulez, quoi. Voilà, maintenant, elle va pouvoir le retourner à la tablette et l'améliorer si elle le veut. Mais non, elle pue pas. C'est l'enthousiasme à propos de la pétillerie. Et tu vas discuter un peu avec elle, histoire de choper quelques petits points, peut-être. Et puis, on verra les plans d'action. Bon, elle a bien bossé, là, Sacha. Elle a réussi à convaincre cette dame
de voter pour la modernisation de Port Promise. J'ai envie de voir ce que ça pourrait donner dans le quartier. Et Jonah vient d'atteindre le niveau 7 de la fabrication d'objets, le best. Salut Jonah, je me sens vraiment déprimée ces derniers temps. Rien ne semble aller comme je voudrais. Je me suis dit que tu serais la bonne personne, la personne idéale pour me remonter le moral. Oh, Bichette! Allez, on va lui remonter le moral à la Bichette. Ah oui, c'est vrai, je rends effectivement le monde meilleur avec mon sourire. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Merci, Jonah. Mais de rien! Les plans d'action du quartier de cette semaine... Du coup, on est sur plutôt support technique. Mais moi, je vais voter... Je vais mettre 2 points pour la modernisation de Port Promise. Bon, je suis pas sûre qu'on y arrive, mais au pire, faudra abroger l'un des deux qui nous a pas plu, quoi. Regardez-moi ça, du raisin, des pommes, des poivrons et des épinards. J'ai fait acheter à Sacha des trucs exprès pour qu'on puisse tester le truc là, et puis ça lui fera comme ça gagner aussi des points d'influence. Donc c'est tout est positif. Alors, on va commencer avec des épinards, on verra bien ce que ça donne. C'est fou que même avec nos deux trucs d'eau là qu'on a ici, on a du mal à joindre les deux bouts pour avoir... Ah, il faudrait que tu ailles nettoyer ça. Pour avoir de l'eau à chaque fois quoi, tous les jours pour deux personnes, c'est pas assez quoi. Mais je viens de dire qu'on n'avait pas assez d'eau pour faire des douches pour les deux et lui il se tape un bain. Non mais la blague. Et voilà, c'est tout propre, ça. What? Il y a des cafards à notre benne à ordures. L'enfer. Comment je peux faire? Essayer de faire partir les cafards. Ah ouais, non, mais là, ça va pas être possible. Oh, et puis Bess qui arrive en même temps. Super. Allez, vas-y, écrase-moi les cafards avec tes pieds nus, t'as raison. Miam, ça doit croustiller sous le pied. Oh, tiens, Tina, notre meilleure amie. En fait, il lui a offert une petite bougie hein, qu'il avait fait lui-même. Voilà, elle a pas l'air d'être ravie en tout cas. Je trouve pas l'option pour lui demander, vous savez, les fonds d'investissement là. Qu'on avait investi 1000 simflous dans sa combine. En fait, je peux toujours remettre, lui redonner de l'argent, mais j'ai pas de nouvelles concernant. En gros, voilà, je peux toujours investir, mais j'ai pas de nouvelles quoi. Ah ouais, c'est ta grande pote quoi, Bess, hein. Je crois qu'elle est son collègue. Tu peux toujours investir, mais moi je voudrais avoir des nouvelles en fait sur sur son investissement, enfin sur notre investissement quoi. Bon, ce qui est positif dans tout ça, c'est que ils ont chacun réussi à convaincre au moins une personne de voter pour la modernisation de Port Promise, donc c'est cool. Non mais Tina, dès qu'elle touche à notre machine, elle la casse là, ça commence à bien faire elle hein. Je vais la bannir de la maison hein. Bon, cette fois-ci Jonah va s'occuper des cafards. Alors attention, cette poisson bouillonne de façon très suspecte. Doit-on la boire sans danger? Ah, c'est celle de base d'épinards. Bon, bah, elle est suspecte aussi. Et là, on va tuer des cafards en espérant que lui, avec ses chaussures, il y arrive mieux, quoi. Bon, bah voilà, hein, du coup, on est obligé de réparer. Bon, bah, mon coco, ton divertissement, il est un peu au top maintenant. Tu vas aller aux toilettes. Et t'iras te coucher. Ah non, je parlais trop vite. Les criquets, ils sont encore morts. Ah, ça craint. Bon, tu vas t'en occuper. Tu vas leur faire des câlins pour qu'ils ressuscitent. Oui. Bon, maintenant qu'ils sont de nouveau ressuscités, il faudra les nourrir, hein, mon coco, parce que on n'a pas qu'ils crèvent non plus. Hein. Et une nouvelle journée se lève sur la planète Evergreen Arbor. Tu vas me faire une petite douche et un petit pissou. Eh ben oui, on est samedi, donc elle travaille pas. Je m'attendais à ce qu'elle aille travailler et qu'on lui donne le petit mot, mais en fait, pas du tout. Bon, bah c'est bien, hein, on va pouvoir avancer sur nos petits projets, tranquillou bilou, quoi. Oh, super! On a mis fin à cette dictature des cafards. Oh oui, ça y est, il a accès au lit double. Il va se fabriquer son lit double. Tu vas le faire en bleu ciel, du coup. Allez, on va tenter. On va utiliser un colorant. J'espère que le lit vaudra le coup. Et du coup, on va essayer maintenant la boisson poivron. OMG, ça aussi, j'ai l'impression que ça sera pas un truc super, hein. On perd pas de vue et espoir de trouver des trucs sympathiques. Oh, un petit colorant de faucheuse. Cool. Youpi! Il a son petit lit. On va aller voir ça tout de suite. Alors, dans l'inventaire, nous avons donc ce lit ici qui a une valeur de 520 simflous. Donc, on va le vendre tout simplement parce que c'est ce qu'on avait acheté en emménageant. Il aura enfin son lit double. Magnifique. Nous avons cette table qui est donc cramée. C'est magnifique. On va pouvoir la recycler. J'avais fabriqué un mural pour le
PC, ça, on l'avait récupéré, donc je la vends. L'ordi est donc bien placé ici maintenant. Je pense que je vais encore prendre une chaise. Allez, je vais prendre celle-ci pour la mettre là, pour que ça fasse vraiment nickel fait maison, quoi. On avait récupéré ce tonneau de fleurs, qui est ma foi parfait. On va pouvoir l'arborer sur notre propriété. Je ne sais pas encore où. Et une magnifique toile de tournesol, mais bon, comme elle n'est pas non plus, c'est pas du plus tout la plus belle. Je vais la revendre et on gagne 300 simflouzes. Ben voilà, il a trouvé. Sacha, pardon, a trouvé un canapé. Et notre super pote est arrivé, Alika, celui qui s'entend super bien avec Jonah. Et on va discuter un petit peu avec lui. Et après, on va essayer de le convaincre pour qu'il vote notre projet. Wow! Sacha qui est invité à rejoindre le groupe Les Modèles. Allez, je vais dire oui. Vous savez pourquoi? Pour qu'on puisse avoir de l'influence et gagner des points. Allez. Je vais essayer de l'influencer avec la modernisation de Port-Promise. S'il te plaît, vas-y. Embobine-le. Ça a pas marché. On a perdu 5 points. Jonah, tu pues. Oh. Mais qu'est-ce qui lui arrive à celle-ci maintenant? Oh, mais non. Mais pourquoi ils boivent les boissons alors que je leur dis pas? J'en ai marre qu'ils soient obsédés avec leur verre d'eau. Bah voilà, dès que c'est suspect, ils sont chelous, quoi. Vous le saurez maintenant, attention. Les boissons à base d'épinards ou de farine d'insectes, c'est pas cool. Bon, pour l'instant, on va aller chez récupérer celle de poivron. On va voir. Bon, bah poivron, c'est aussi suspect, hein. On va essayer de la pomme cette fois-ci. Normalement, ça devrait être bon et pas bizarre, hein. Retour vers les criquets avant qu'ils ne meurent. En espérant que... Mais qui nous donne des trucs parce qu'il me dit toujours l'après pour la collecte, mais quand je clique dessus, ils me disent que non, donc c'est un petit peu con. Pendant qu'ici ça fabrique, ça fabrique, ça fabrique. Yes! On a trouvé un frigo! On va le réparer, on va le nettoyer. Et elle a trouvé un vélo aussi! C'est magnifique. C'est l'usine ici, elle recycle, ça pétille et lui il fabrique, c'est merveilleux, j'adore. Mais elle m'avait encore commencé cette truc, hein? Il faut qu'ils arrêtent, ils sont accros, hein. Dès qu'il y a un truc à boire, ils le boivent. Du coup, on va demander à Sacha de bosser ce frigo pour qu'elle le répare. Il y a eu de l'amélioration dans la chambre de Jonah puisqu'il s'est fabriqué un tapis bleu. Du coup, il a une belle chambre maintenant. On a une petite bibliothèque ici dans le couloir et on a véritablement maintenant 4 chaises ici. Fabriquées avec la table, avec une chaise ici et la chaise et le bureau, enfin bref, on commence à avoir une baraque. Bah, do it yourself, quoi. C'est bon? T'es sérieuse? T'as déjà. Tiens, tu as cherché, fouillé, je sais pas quelle sera la différence. Bah, on a un frigal, quoi, maintenant. Oh là là, le frigo, on pourrait le revendre pour 1000 simflouzes, les enfants, mais je n'ai point envie. On va revendre à la place la fameuse glacière et on va installer, eh bien, notre frigo trouvé dans la cuisine. Je change rapidement et on pourra désormais se faire à bouffer. D'ailleurs, ça manque un peu de lumière. Je vais mettre la lumière ici. C'est plutôt pas mal. Ah, jus de fruits pétillant pomme. Là, par contre, on est OK. Ça marche, c'est correct et ça vaut wow, 4 simflouz, c'est pas énorme. Moment émotion quand même, il nous aura fallu quelques temps avant de pouvoir eh bien faire un vrai repas sorti du frigo. Donc bien sûr, hein, je vais pas jouer les héros. On va se faire une petite salade du jardin, tranquille. Mais au moins ils pourront enfin manger sainement, finir les muesli, les céréales et les yaourts à toutes les heures de la journée. Mais elle me tue, elle me l'a bu aussi sec. Non, mais franchement. Mais on peut remarquer, au moins on voit les effets tout de suite, hein. Alors franchement, la farine de criquet, les épinards et les poivrons, faut pas tenter les enfants. Et voilà, Jonah, ça passe à sa première nuit dans son lit qu'il a fabriqué lui-même. Et sa sœur, bon bah elle pour l'instant elle n'a pas de lit. Mais ce sera sûrement pour une prochaine fois. En tout cas, moi, je vais vous laisser là pour cet épisode. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Ah bah il est cassé lui. Voilà, on a quand même hyper bien avancé. On a testé des boissons plus ou moins cheloues. La maison s'améliore. Et puis eux aussi. Et c'est vraiment peut-être le début de la fin. Qui sait? Allez, moi je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de le Let's Play Découverte. Ou pour autre chose sur ma chaîne. Des gros bisous. Ciao.